Calmos. Alors, à quoi sert notre ego? Alors, notre ego, il sert à survivre. Notre ego, c'est le temps nécessaire à la rassurance qui va nous permettre, en fait, de nous abandonner à notre cœur. L'ego, c'est ce qui nous permet de ne pas mourir physiquement. C'est ce qui nous permet de rester malgré tout ici et maintenant sous des formes diverses et variées. C'est ce qui nous permet de donner un sens à notre vie, c'est ce qui nous permet de trouver un positionnement en rapport à l'autre et pourquoi pas même en rapport au divin. Donc l'ego est quantitatif, il est qualitatif, il est plus ou moins bienveillant. Il peut être condescendant, il peut être persuadé d'avoir raison, il peut se dire j'ai toujours tort, il peut s'aimer en excès, et il peut être dans un désamour absolument total. L'ego fait ce qu'il peut, hein, pour se raccrocher en fait à la vie. L'ego a très peur. L'ego, c'est la peur. L'ego, c'est l'expérimentation d'une terreur absolue. De voir. L'ego a le regard sur lui-même, en fait. C'est marrant, parce que l'ego est capable de se regarder lui-même et de se dire, mais même quand je vais à l'infini et que je me regarde à l'infini, en fait, ben, je ne sais rien, quoi. J'ai beau regarder plus finement de moi-même à l'intérieur de moi, je sais qu'à un moment donné, même cette petite partie fine qui est à l'intérieur de moi, je vais devoir quand même l'abandonner pour vivre l'amour. Et ça lui fait mal, quoi. Et il regarde ça et il se dit, mais j'ai pas de porte de sortie. Ben, l'ego, il apprend l'humilité et voilà, c'est le chemin de notre existence. Peut-on se prévaloir de quelque chose? Alors non, on ne peut pas se prévaloir de quoi que ce soit. Ici, c'est évident qu'on a le sentiment le jeu a le sentiment d'avoir réussi, d'avoir atteint quelque chose, de posséder quelque chose, etc. D'avoir le contrôle en fait sur sa vie. Mais en fait, quand on regarde objectivement sa vie, il y a énormément de choses que l'on n'aurait pas vécues. Il y aurait énormément de choses que l'on aurait eues. On n'aurait peut-être pas la même tête, etc., etc. En fait, une multitude de choses. J'ai envie de dire pratiquement tout, quoi. On se dit, ah bah oui, mais je serais peut-être pas un homme, je serais peut-être pas une femme, j'aurais pas cette tête-là, j'aurais des cheveux, j'aurais pas vécu ça dans ma vie passée, j'aurais pas eu ces parents-là, ou peut-être que j'aurais eu ces parents-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, quand on commence à regarder vraiment honnêtement notre vie, on peut s'apercevoir qu'en fait, on a zéro contrôle. Et qu'en fait, ben. Ouais, c'est. On peut pas se prévaloir de quoi que ce soit. Bon. Je crois que des choix dans la vie, des véritables choix, un véritable choix, je ne suis pas sûr d'avoir déjà fait un véritable choix en conscience. Peut-être que j'en ai fait un, que je vois très bien. Et parce que j'ai vu ma conscience et que j'ai vu que tous les chemins autour étaient lumineux. Et qu'à partir du moment où j'avais ce centre de conscience, c'est-à-dire que j'avais ce choix-là qui était là, avec tous les chemins lumineux autour, j'ai pu observer tous les chemins et me dire, ok, mince, c'est incroyable, c'est le premier choix que je fais dans ma vie. Et ça fait pas très longtemps.